Pourquoi avez-vous choisi la violence? Pourquoi? J'ai pas choisi la violence en 1963, je pense. Je pense qu'une situation m'a forcé à employer la violence. On parle surtout de la violence du FSQ, mais c'était une contre-violence. En 63, c'est peut-être la première année où il y a vraiment eu un bon groupe de jeunes qui se sont rendus compte que l'indépendance, ça existait pour le Québec. Évidemment, quand un groupe de jeunes se rendent compte d'une chose du genre, il essaie de militer. Le seul endroit pour militer, c'était le RIN. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Pendant des mois, les jeunes ont fait du porte-à-porte, ils ont été aux manifestations, ils ont fait à peu près tout le travail de secrétariat qui était possible de faire. Jusqu'au moment où ils s'apercevaient que les vieux, disons, du RIN, certaines classes de membres du RIN étaient beaucoup plus intéressés à leurs petits intérêts personnels qu'intéressés aux autres aussi à militer. À ce moment-là, évidemment, il se produit toujours une désaffectation. Alors, les jeunes, ne pouvant plus militer dans un parti indépendantiste, voyant la dégradation de ce parti indépendantiste-là, avec évidemment les querelles du PRQ et puis les congrès à pu finir sur des motions de détail qui faisaient perdre du temps, décident de prendre d'autres moyens de façon à faire connaître l'idée puis de recréer un climat qui était en train de se détériorer complètement à cause justement de l'incurie, pas de l'incurie d'une idée, mais de l'incurie de la majorité des gens qui essayaient de servir cette idée-là.